Alex Perron. Merci, mère. Ça va bien? Je sais pas. Alex m'a envie aujourd'hui de vous faire vivre un grand voyage. Oh. Êtes-vous prêt à le vivre? Ben, c'est un voyage, oui. Regardez-moi. Prenez une grande respiration. Fermez les yeux, Alex. Gardez l'équilibre. Très important, fermez les yeux. Gardez l'équilibre. Et maintenant, je vous emmène dans un état second. Un, dormez. Gardez l'équilibre. Toujours gardez l'équilibre. Deux, dormez de mieux en mieux, de plus en plus. Et maintenant, trois, gardez l'équilibre. Solide sur vos jambes, Alex. Ouvrez votre esprit, votre imaginaire. Alors, Alex, au compte de trois, vous allez remonter au conscient. Et avant de sortir de la ruelle, à votre droite, il y a une toilette publique transformée en cabine Vox Pop. Vous avez l'envie folle de rentrer dans cette cabine pour faire ce Vox Pop. Vous appuyez sur le bouton jaune. Et à ce moment, le voyage débute. Un, deux, trois, Alex, éveillez-vous. Hey, merci, Alex. Merci, vous avez été extraordinaire. Merci, beaucoup, merci, ça va? Super, oui, merci, beaucoup. Alex, merci. On dirait que c'est rien passé. C'est hallucinant. Au compte de trois, vous allez vous transporter dans un monde de rêve et d'imaginaire où vous allez vivre toutes sortes d'aventures comme si vous y étiez là réellement. Et avec le un, vos paupières sont lourdes et pesantes. Dormez. Avec le deux, de plus en plus détendu et relaxé, vous dormez de mieux en mieux. Et maintenant, trois, dormez. Détendu et relaxé. Il m'endort par caméra. Vous êtes dans un état second où votre corps ne bouge plus. Mais nous, on va vous faire bouger. Vous allez sentir votre corps se faire transporter. Mais vous allez continuer de dormir, peu importe ce qui se passe. Et tant que je vous dirai pas le contraire. Continuez de dormir, et même si vous voulez, rêvez. Mais laissez-vous transporter maintenant. Alors, vous qui dormez présentement, concentrez-vous sur ma voix. Au compte de trois, vous allez remonter au conscient. Vous allez vous sentir complètement confus. Il y aura pour vous une distorsion dans le temps et l'espace. Et chaque fois que vous allez entendre le mot « vache », vous allez vous réendormir instantanément. Alors, attention avec le 1, éveillez-vous doucement. Avec le 2, de plus en plus. Maintenant, 3, éveillez-vous. Je comprends tellement rien. Ça va-tu? Qu'est-ce qui se passe? Regarde! Non, ça marche pas. J'étais... voyons. J'étais au Saint-Denis, la ruelle. Je suis rentrée là-dedans. Là, je me lève, je ressors. Je suis dans des vaches. As-tu pris des médicaments, quelque chose? Mais non, je prends pas de médicaments pantoute. Voyons donc. Je suis où, là? On est où, là? Bien, t'es sur ma chaîne. Oui, je sais, mais on est où? C'est une place, là. Ouais, ouais, ouais. Mais toi, c'est peut-être parce que t'aimes les vaches? Entendre le mot « vache », vous allez vous réendormir instantanément. Peut-être parce que t'aimes les vaches? Je m'effondre. Ça n'a aucun sens. Alors, vous qui dormez présentement, concentrez-vous sur ma voix. Alors, attention avec le 1, éveillez-vous doucement. Avec le 2, de plus en plus. Maintenant, 3, éveillez-vous.
Wow! Non, ça marche pas. Vous êtes qui, vous autres? Non, hey! Je me souviens que je me sentais vraiment agressée parce que je comprenais rien de ce qui se passait, puis aussi parce qu'il y avait du monde qui dansait, ça me tapait ses nerfs. Où est-ce qu'on est? Non, regarde, hey, wow! Qu'est-ce qui se passe? On est où? Dans un bar. Hey! Ça fait différent des vaches! Tabarouette, je pars comme une balle! Comme une bûche. Alors, vous qui dormez présentement, concentrez-vous sur ma voix. Alors, attention avec le 1, éveillez-vous doucement. Avec le 2, de plus en plus, maintenant 3. Éveillez-vous. Mon Dieu, même les gens dans la salle sont terrorisés. Je vais pleurer. Salut, Alex. Allô? Ça va? Qu'est-ce que je fais là? Pardon? Qu'est-ce que je fais là? Les émotions fortes. Alex, t'as aucun souvenir de ce qui s'est passé parce que à chaque fois que on vous éveillait, Alex, je vous donnais la suggestion d'oublier l'endroit où vous étiez avant. Vous avez vécu toutes sortes d'aventures aujourd'hui et je vais faire remonter toutes ces émotions à l'intérieur de votre esprit. OK, fermez les yeux. Maintenant, Alex, au compte de 3, vous allez vous souvenir de tout ce qui s'est passé dans les moindres détails aujourd'hui. Et ça va remonter à la surface. Vous allez être fiers de vous parce que nous sommes fiers de vous. 1, 2, 3, ouvrez les yeux, Alex. Ouvrez les yeux. Qu'est-ce qui remonte à la surface, les endroits que vous avez visités? Une étable qui pue. On est dans un bar. Oui. Des filles. Ça vous tentait pas de danser, en tout cas? Non, je pense que ça se peut, c'est possible. Et ici. Là, voilà, exact. Le mot, c'est... Donc, réveillez-vous, Alexis, réveillez-vous. Réveillez-vous, mon Dieu. Je vais le déprogrammer pour ça, OK? Le mot vache. Non, restez debout! Réveillez-vous, Alex, réveillez-vous! On peut pas arranger ça. Je pense que quand on me voit tomber à terre, je pense que si on n'est pas sous hypnose, on peut tomber par terre, mais on a une petite retenue, on se protège. C'est un réflexe naturel. On a peur de se faire mal. Écoute, là, je m'effoire. On dirait que je me vide de ma vie puis de mon sang. Réveillez-vous! Maintenant, ce mot ne vous fera plus dormir. Vous savez lequel que je parle. 1, 2, 3. Complètement déprogrammé. Et si je l'ai dit, vache, ça va? Quoi? Vache, ça va? C'est pas vous qui êtes vache. Mesdames et messieurs, Alex Perron. Merci, Alex. Merci, bonne soirée. J'ai eu du plaisir à vous emmener ici et là. Vraiment un très bon sujet pour moi. Et peut-être qu'on va vivre d'autres expériences éventuellement. Non,
Non, hey, merci beaucoup. Ça a été super le fun. Puis merci. Je pense que là, j'ai pas conscience de tout ce qui est arrivé, mais je l'apprécie vraiment. Je pense que... Ouais, prenez le temps de digérer tout ça. Ça va remonter à la surface. Quand je vais le voir à la télé, je vais... Il y a des bouts qui vont venir de ce là. Faites juste enlever le son quand vous allez l'écouter à la télé. Honnêtement, je pense que c'est aussi fascinant de le voir après que de l'avoir vécu parce que, probablement, moi, il y avait plein de bouts dont je me souvenais pas pantoute. J'avais vraiment perdu la notion du temps. Je me souviens qu'on a commencé à 1h à peu près et demie de l'après-midi. Ah non, c'est un sorcier, mais Messimer, faites attention!